C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis le calacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis le calacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis du calacata. Maman, il y a quelque chose qui flotte dans ma soupe. Oui, c'est normal, ce sont des morceaux de légumes. Donne-les-moi si t'en veux pas. Tais-toi, limace. Lucas, ce n'est pas poli de parler la bouche pleine. À l'école, Miss Belle Blanche nous a dit qu'il fallait toujours mâcher ces aliments 12 fois pour en retirer toute leur valeur nutritive. Lucas, tu es insupportable. Finis ton assiette. Émile, j'ai une petite surprise, tu vas voir. Ta-da-da-da. Cool, l'aquarium. En ce moment, les billets sont à tarif réduit. Oh, chouette. Et papa va t'emmener. Super chouette. C'est pour te récompenser d'avoir été sage comme une image. Ouais. Et moi, je pourrais y aller aussi. Seulement si, comme ton frère, tu es sage comme une image. C'est à moi de m'asseoir derrière papa. Non, c'est mon tour. Tu es sûr que tu ne veux pas les emmener? Non, merci. Salomé va nous accompagner. Sa mère est chez le docteur. Salomé vient avec nous? Non! Le dernier n'est qu'un bébé qui fait caca dans sa couche. Non, c'est pas vrai, je mets plus de couches depuis longtemps. Oh, la journée va être longue. Restez ici, je vais acheter les tickets. Je me demandais, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'eau? Ha! Évidemment, gros bébé, on est dans un aquarium. Oh, j'espère que je n'aurai pas le mal de mer. Bien le bonjour, petit moussaillon. Je me présente, je suis le corsaire borgne à votre service. J'ai enfoui mon trésor quelque part. Si vous voulez partir à sa recherche, appuyez sur le bouton. Chercher un trésor de pirate? Cool. Oyez, oyez, répondez correctement à mes questions et gagnez une surprise. Une surprise? Appuyez sur le bouton. Commence pas à te faire des idées, c'est moi qui vais repartir avec la surprise. Tu rigoles, c'est moi, tu verras. Non. Si. Non. Appuyez sur le bouton. Si. Appuyez sur le bouton, Miss Sabor, bande de petits polissons, vous subirez le supplice de la planche. J'ai l'impression que tu aimes t'attirer des ennuis. Je les connais bien, les gamins comme toi, j'en vois tous les jours. Ici, on touche avec les yeux, tu m'as bien compris, je te préviens, je t'ai à l'œil. Le premier qui revient avec toutes les bonnes réponses emportera mon trésor. Et je parie que ce sera moi. Allez, espèce de robot débile, moi aussi je veux une feuille, donne-moi ma feuille, donne-la-moi. Ouais. Oh. Hé, hey, toi, laisse ce robot tranquille, je t'avais pourtant dit de ne toucher à rien. Les hommes doivent quitter le navire. Ah! Je vous aurai. Merci. De rien. Merci papa. Y a pas de quoi. Ah, Émile, viens, on va chercher à boire et après on commence la visite. On fait un concours. C'est intéressant. Lis-moi la première question. Comment t'appelles-tu? Lucas aura au moins une bonne réponse. Décidément trop facile. Cool, une grosse pieuvre. Question numéro 2. Observation, combien de tentacules ont les pieuvres? Aucune idée. Hé, madame la pieuvre.
moi vos vos bras, quoi. Oh. Bon, en fait, c'était facile. Si je continue comme ça, je vais gagner. Regarde, le bassin est rempli d'encre. Ça veut dire que la pieuvre a dû avoir une très grosse peur. Je me demande ce qui s'est passé. Un jour, j'ai vu un documentaire sur un homme qui savait parler aux pieuvres. Et si j'essayais de communiquer avec elle? Ouh, madame la pieuvre, n'ayez pas peur, tout va bien, vous m'entendez? Papa, regarde, ça a marché. Au revoir, madame la pieuvre, à bientôt. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes, toi? C'est beaucoup trop simple. Tout le monde sait bien que les pieuvres ont 8 tentacules. Y a quelqu'un? Ouf, ouf. Tiens, je savais pas que les poissons aboyaient. Jamais vu un poisson aussi moche de ma vie. Oh, je t'ai enfin trouvé. Espèce de sale petit monstre, tu vas voir. Oh, la partie de cache-cache ne fait que commencer. Je te tiens. Non, c'est moi qui vous tiens. Libère-moi immédiatement. J'espère que vous n'avez pas le vertige. Au secours! Faites-moi descendre de là! Aidez-moi! Dans ma tête, ça fait comme si j'entendais encore la pieuvre me parler. C'est étrange. Moi aussi, j'ai l'impression de l'entendre. S'il vous plaît, faites-moi sortir! 39, 40, 41, 42, 43, 44... Petite, tu n'aurais pas vu un garçon passer 46, par ici en courant? 47, 40... Et vous, on vous a jamais appris à dire s'il vous plaît? 49, 50, 51... S'il te plaît. Je vous signale que vous m'avez interrompu alors que j'étais en train de compter le nombre de poissons-chats. À cause de vous, je vais prendre du retard. Vous, je vous jure que vous aurez affaire à moi si j'arrive pas à temps pour gagner ma surprise. Mes plus plates excuses. 1, 2... Dans le ciel, je brille jusqu'à ce que le soleil me chasse, mais dans l'océan, rarement je me déplace. Qu'est-ce qui brille la nuit? Une ampoule? Ou peut-être une anguille électrique? C'est simple comme bonjour, c'est une étoile de mer. Bien joué, Lucas, merci. Ça y est, j'ai terminé. Oui, moi aussi. Premier arrivé. Hey, vous deux. Ça y est, je vous tiens. On est pris au piège. Donne-moi ta chaussure. Quoi? Vite, une de tes baskets. Quoi? Sortez donc de votre cachette. Je sais que vous êtes là. Malheur, ils sont tombés dans le bassin en requin. Pourquoi il a fallu que tu lances ma chaussure? Parce que c'était mon idée. C'est moi qui vais remporter le trésor des pirates? Certainement pas! Tu devrais te faire une raison! Le trésor est à moi! Dans tes rêves, oui, il est à moi! Ça y est! Vous ne pouvez plus m'échapper! À moi. Merci, petit moussaillon. Ça y est, nous avons un gagnant. Quoi?
Bravo, tu as découvert mon trésor. Merci, capitaine Corsaire Borgne. Impossible, c'est moi qui devais gagner la surprise. Non, c'était moi, j'avais fini d'abord. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai, 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 vrai. Alors, quelle est ta récompense, Émile? Des tickets. Des tickets? Oui, je n'en ai que deux. Ce sont des tickets pour quoi? Pour accéder au dangereux donjon. Wow, le dangereux donjon. Dis, papa, tu viens avec moi? Oh, oui!